Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen. Bonne nouvelle pour les Marocains qui voudraient travailler en Allemagne. L'ANAPEC et Géodésia s'allient pour le recrutement de 10 000 Marocains en Allemagne. Une convention de partenariat vient d'être signée aujourd'hui à Rabat entre l'Agence nationale de promotion de l'emploi et des compétences, l'ANAPEC et Géodésia, la filiale du groupe Altis basée en Allemagne, pour le recrutement sur le moyen terme d'environ 10 000 travailleurs qualifiés à partir du Maroc. Paraphé par l'administrateur de Géodésia David Drahi et le directeur général de l'ANAPEC Nourdin Ben Khalil, en présence du ministre de l'Inclusion économique, de la petite entreprise, de l'emploi et des compétences, Younes Sekouri. Cette convention de partenariat vise à employer des milliers de jeunes Marocains en Allemagne. À cette occasion, David Drahi a indiqué que ce partenariat inclut l'envoi de milliers de travailleurs marocains en Allemagne, ainsi que le partage du savoir-faire technologique en matière de déploiement de la fibre optique. Notons que l'entreprise Géodésia a été créée en Allemagne il y a 15 mois et se positionne déjà en tant qu'acteur majeur dans le déploiement de la fibre optique dans le monde. De son côté, Ben Khalil a fait savoir que ce partenariat porte sur la préparation et le recrutement de plusieurs milliers d'opérateurs de câblage en Allemagne, dont le marché du travail souffre d'un besoin de près d'un million de travailleurs. Et d'ajouter que l'ANAPEC va piloter un projet d'une grande envergure qui permettra de tester à grande échelle les spécificités du marché allemand au niveau du rapprochement des compétences tant opérationnelles que linguistiques marocaines et allemandes. De son côté, Karim Bernoussi, président directeur général d'Intelsia, également filiale du groupe Altis, a fait savoir que cette convention prévoit l'envoi de techniciens marocains habilités à travailler en Allemagne pour fibrer des prises que l'entreprise Altis devra raccorder dans les prochaines années. Outre le recrutement, a-t-il dit, le cadre de cette convention permettra aux techniciens marocains d'acquérir des compétences linguistiques et d'avoir une équivalence de leur diplôme sur le marché d'emploi allemand, soulignant que la réussite de ce projet donnera un élan à la coopération entre le Maroc et l'Allemagne. Bonne chance donc à tous les Marocains qui s'y retrouvent et qui voudraient y aller pour travailler en Allemagne. Bonne chance donc à vous tous et restez branchés sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen. Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen. Avant de commencer, je voudrais vous informer que nous venons de créer sur Akhbar al-Bled deux chaînes annexes. La première dite Al-Jazair bi'uyun maghribiyah, l'Algérie aux yeux des voisins, qu'on a créée pour sensibiliser le public arabisant. Un public très large sur Akhbar al-Bled à qui on voudrait faire plaisir en abordant des sujets d'actualité avec la langue qu'ils comprennent. La deuxième chaîne dite Isli Amazir Morocco pour faire connaître la chanson Amazir commune aux deux cultures, la culture marocaine et la culture algérienne. Je vous demande donc de vous abonner à ces deux chaînes et de les soutenir. La première traitera beaucoup de sujets en arabe sur l'Algérie, sur le Maghreb, et la deuxième, qui diffusera des chansons, de très belles chansons amazir, la chanson amazir que nous aimons tous, y compris moi. Soutenez donc ces deux chaînes, écoutez-les, et restez branchés sur Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen, la chaîne principale,
qui sera quotidienne, les deux autres chaînes peut-être ne seront pas animées de la même cadence, mais vous y trouverez, chacun en ce qui le concerne, des sujets qui vous intéressent. Restez donc fidèles à Akhbar al-Bled de Hassan Atlimsen. N'oubliez pas de vous abonner à Algérie aux yeux des voisins, Al-Jazair bi'uyun maghribiya, mais aussi abonnez-vous à Izli Amazir Morocco. Nous y serons avec vous sur les trois chaînes, Inch'Allah. Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlimsen. Avant de commencer, je voudrais remercier Monsieur Salem, l'abonné qui a choisi de devenir membre à part entière de la chaîne Akhbar al-Bled de Hassan Atlimsen. Merci également aux autres abonnés. Si vous ne désirez pas devenir membre à part entière et participer au développement et à l'amélioration de la chaîne, vous pouvez continuer comme simple abonné, c'est gratuit. Vous aussi, vous pouvez souscrire à la chaîne et devenir membre à part entière de la chaîne Akhbar al-Bled de Hassan Atlimsen. C'est pas cher, c'est juste 3 euros à peu près, et vous devenez membre à part entière en participant au développement et à l'amélioration de votre chaîne préférée. Pour devenir membre, il vous suffit de cliquer sur l'icône « Rejoindre » juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez également participer au développement et à l'amélioration de la chaîne à travers les super chats, lors des diffusions directes, mais aussi par des super stickers. Sinon, vous pouvez partager avec des super thanks pour remercier la chaîne pour une vidéo qui vous a plu. Je vous citerai dans chaque vidéo le nom des nouveaux membres à chaque fois que quelqu'un d'entre vous a décidé de devenir membre à part entière. Restez donc branchés sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlimsen et bienvenue à vous tous.